Bienvenue sur No Man's Sky. On va continuer un petit peu là. Donc tout à l'heure, on a quand même fait sur le live d'avant, on a quand même fait pas mal de petites choses. On avance un petit peu sur la colonie. On a fait un petit peu améliorer un petit peu sa base. On a fait quelques missions d'anomalie. On a fait quelques petits trucs sympathiques dans le jeu. Et là, bon, on va recontinuer un petit peu tout ça. On va essayer de continuer encore un petit peu la colonie. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Sûrement refaire un peu quelques missions aussi. Je pense on va peut-être aller. Je sais pas si aujourd'hui, ce que j'avais dit tout à l'heure, mais je sais pas si on va en faire comment dire, l'extension. Non, pas l'extension, comme ça s'appelle déjà. L'expédition 13. Putain, je trouvais plus le mot. Je sais pas si on va continuer un petit peu pour l'instant. Faut que je le fasse, mais je sais pas. On verra. On verra si aujourd'hui j'en fais ou pas. On verra, on verra. Pour l'instant, je verrai. On verra comment ça se passe, comment on avance et comment se déroule la chose. Alors, la colonie. Alors, j'avais gagné des choses aussi. J'ai acheté des trucs. J'ai des trucs à poser. J'ai gagné 2-3 affaires. J'ai débloqué des skins, des trucs comme ça que j'ai acheté au 6. Oh, c'est fini ça? C'est cool. Bah voilà. Ça, c'est fini de construire le. Garer, ça c'est ma colonie ici. Donc, en fait, la première mission que j'ai eue avec la colonie, que j'ai acheté la colonie, j'avais ça à faire. Donc, on a construit le bâtiment qui donne le TP avec la table de mission. La deuxième mission, ça a été celle-là derrière de ce bâtiment-là. Parce qu'il y a des autres petites missions, mais vous les verrez pas. Je peux pas les montrer, c'est des petites missions simples. Il y a eu celle-là où on a construit un bar, c'était ça ou une tour. Mais ça me rajoutait plus de monde. Et la troisième, c'était une piste d'atterrissage. Voilà. Donc j'en ai une. Peut-être un jour j'en aurai plusieurs, je sais pas. Donc là, on verra ce que ça va me donner pour la troisième. Si c'est encore une construction ou autre chose. On verra, on verra. Alors, soutenir. Soutenir. Attendez. Soutenir l'événement. Vous refusez la requête, hein? Alors, putain, mais 4% de bonheur de citoyen et plus 63 de dette. Allez, on va le faire. On va rajouter du bonheur. Mais si on promet qu'à la fin, je paye la note, moi ça me va. Vraiment. Si je peux payer la note, je le fais. Mais il faudrait qu'il me donne cette chance de pouvoir le faire. Parce que là, à la fin du compte, je paye comme elle monte. Surtout que j'ai les sous, ça qui m'énerve. C'est pour ça que je dis oui. Si j'aurais pas les sous, je dirais bah non, on va peut-être faire attention. On va pas faire le con non plus. Mais je peux rien y faire. Ah, elle est passée B. C'est plus une C, c'est une B. Aperçu de la colonie B. Donc d'accord, c'est passé sur une B maintenant. Ce n'est plus une C, ça c'est cool. Mais je peux toujours pas payer, hein. Réduisez la dette en construisant des bâtiments et en investissement dans les fonctionnalités de la colonie pour accroître, c'est écrit vraiment petit pour moi, la production et réduire les coûts d'entretien. Ok. Ok, mais moi j'aurais voulu payer moi. C'est le mec qui a plein de trucs mais qui sait pas grand foutre. Allez, moi je veux payer. Bon bah on va attendre un petit peu qu'il y ait une prochaine mission. Qu'est-ce qu'ils me disent les gars là? Putain, il y a une tempête d'enculé. Ah oui, ça c'est ma petite pièce. Pareil, j'ai pu mettre 2-3 conneries dedans. L'utilité, je ne sais pas, mais il y a ça dedans. Ça c'est pour les gens qui viennent chez moi et qui n'ont pas commencé. Au moins, ils peuvent acheter des trucs ici. Je peux faire un petit peu de raffinerie. Je vais même remplir, comme ça les gens seront contents. Hop, voilà. Comme ça, ils ont juste à mettre des trucs dedans. Mais je peux rien faire d'autre, c'est un peu. Oh! Ouh, il y a des orages, ça coupe, c'est pas moi. Ça, c'est un. Attends, c'est un truc. Thank you.
Ah bah merde, je ne peux plus en faire. Voilà. Oh, c'est pour dire quoi, là. Ça fait trois machines. Oh, il y a des orages, les gars, je vous jure. Là, il y a des éclairs. Il y a des moyens que ça me coupe tout. Bon, ça coupe tout, vous saurez pourquoi. Hein. J'aurais pas coupé mon live pour un rien. Je suis pas comme ça. Hein. Je ne suis pas du tout comme ça. De l'azote, je savais même pas. L'autre coup, c'était de l'oxygène. Et là, c'est de l'azote, c'est cool. On verra bien, je récupère de l'azote, c'est cool. Je sais pas du tout à quoi ça me sert, mais. Bon, moi j'aurai de l'azote. C'est devenu mon bâtiment à moi en fait. C'est ça qui est drôle. Et j'ai vu qu'il y a un étage, mais comment on y monte sur cet étage? En fait, le truc qui est cool, c'est qu'on n'y monte pas. Non, en fait, c'est un faux étage. Et je peux même pas faire une construction, c'est nul. Vas-y, donnez-moi les chances de faire une construction. Pourquoi vous voulez pas? J'aimerais bien continuer là, ça me casse les pieds. Bienvenue dans l'archipel Colo. Le bug il est dans le sol, j'allais dire dans le tôle, dans le sol quoi. Qu'est-ce que vous faites vous? Vous êtes qui vous? Vous êtes deux. Des génies les mecs quoi. Je savais qu'on avait des téléporteurs dans le jeu. En même temps, si on regarde bien dans le jeu, ils savent pas s'asseoir les gens. Ils s'assoient et se relèvent, ils s'assoient et se relèvent. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi ils voulaient me parler? Mais ils font que ça, s'asseoir, se mettre debout, s'asseoir, se mettre debout. Mais il y a pas mal de bâtiments quand même, hein. C'est quoi ici déjà? Après, il y en a beaucoup de gens qui vivent ici, mais il n'y a pas beaucoup de maisons. C'est que des bars déjà, alors les mecs c'est tous des alcooliques dans le jeu. Il y a des comptoirs partout, tu peux te bourrer la gueule de partout, mais tu peux dormir de nulle part. C'est dormir, alors des fois on dit toujours c'est boire ou conduire, bah là c'est que pareil, c'est boire ou dormir. Après, ils font des trafics de tapis aussi. C'était eux qui font le porte-à-porte à vendre des tapis. Qu'est-ce qu'il y a ici? Attends, parce que c'est une galère des fois à trouver leur porte. Bah, c'est pareil, c'est encore des frigos, encore des bonbonnes, encore des tapis. En fait, ils ont que ça, ils dorment jamais les mecs. J'ai une colonie qui dort pas. Ici, encore un comptoir, des tapis, des tables pour s'asseoir, des canapés. Ouais, ils peuvent faire des siestes sur le canapé, les mecs. Peuvent s'asseoir 2 minutes ici. Après t'as des fleurs dans la gueule mais. Avec mon petit bonhomme, il est rigolo mon petit bonhomme quand même. Là c'est pareil, c'est une autre maison remplie de rien. C'est ça que j'aime bien. C'est vraiment rempli de rien. Mais c'est vraiment con que je ne peux pas. Bah déjà il y a des trucs en plus là. Bah, avant je pouvais mettre que ça. Et maintenant je peux faire une piste. Non, vraiment? C'est trop cool. Mais c'est pareil, je veux pas le mettre sur des endroits que je ne sais pas où mettre. Comment ça marche? Bah ouais, c'est con. Ah bah alors attends, je peux pas le mettre là. Mais ici, je peux.
Je sais même pas c'est quoi. Ah, c'est pour faire des sauts. Ah ouais, on peut faire vraiment des routes quoi. Ok. Et ça c'est quoi? Et c'est quoi ça? C'est un accélérateur? Je sais même pas c'est quoi. Ça doit être un accélérateur. Oui, donne un turbo à votre pendant les courses. Putain, je peux vraiment faire un circuit? Ah, je vais vraiment faire un circuit plus tard. Quand mon truc sera fini, je vais faire un circuit autour. Qu'est-ce que t'as toi? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Attends, faudra peut-être que je lise un jour ce qu'ils disent. Bonjour, superviseur, ami. Salut. Villageois, ami. Ah bah oui, je la thune dans le jeu quoi. Niveau alerte sentinelle 88%. Coût de maintenance 100. Putain, j'ai 67 citoyens. J'en avais combien avant? Bonheur 37%. Ça monte hein. Mais ouais, on va aller refaire des missions parce que ça n'a pas l'air de vouloir se débloquer là. Et eux qui s'amusent à s'asseoir et... Non, non, il veut pas. Bon, bon, on va aller... On va aller se promener, je sais pas où je vais. Attention, on va aller là-haut. On va aller regarder ce qu'il y a de beau en mission. Combien on tue 13 000. C'est dur à monter l'argent, hein. Vraiment. Attends, parce qu'il y a des différents arrières, non? Ah non, c'est les mêmes. Ah, j'avais vraiment cru. Bah, je les voyais pas pareil. C'est pareil. Il est classe quand même, non? Le bizarre, c'est que tout le monde joue avec un transporteur d'un coup. Qu'avant, personne n'en prenait parce que c'était trop gros. J'aime pas. J'adore ce vaisseau-là, mais pas avec comme ça. J'aime pas avec les ailes trop hautes comme ça. Je trouve ça bizarre. Au pire, ils auraient dû les mettre sur le côté. Et là, ok. Là, il aurait claqué. Avec des ailes qui partent là, là, qui se mettent là. Et l'autre côté, là, il aurait déboîté. Mais là, tout de suite, comme ça, j'aime pas. Il est beau pour un... Lui, il est vraiment beau pour un combattant. Vraiment, vraiment. Putain, il est d'une magnifique son vaisseau à lui. Il est pas extravagant comme les autres. Mais il est fin, beau, blanc et couleur un peu carbone. On dirait qu'il est... Ouais, il est un petit peu abîmé, mais... il est vraiment beau. J'aime vraiment bien. Tu vois, ça me dérange absolument pas d'en avoir un comme ça. Ça me fait rire. Où sont les canons, quoi, pour attaquer? Mais ouais, ouais, joli, très joli vaisseau. Très joli vaisseau. Le vaisseau d'origine du début. Qu'est-ce que j'aurais dû le garder pour rigoler. Le petit vaisseau du début, c'est sympa quand même hein, pour un petit vaisseau du début. Il est pas fou, mais il est sympa. Ouais, il pue un peu quoi, mais hein. Il est sympa. Du autre couleur, il aurait été rigolo.
des vaisseaux de combat. Ah bah tiens, tu vois, comme lui encore ça va. Lui j'aime beaucoup, parce qu'il est la moitié du mien. Avec là le petit aileron au-dessus, il est vraiment sympa. Putain, les pics devant, le pic au cul, il en a vraiment lui. Hein. Il est joli comme ça le tien. Ouais, le mien il est sympa, il est simple, j'aime bien. Ah, parti un jour les gars. T'es blanc et rouge toi. L'autre il a un escadron de pour aller dans l'eau là. Un joueur Xbox. Bon. Il me reste que 200. Je fais une connerie là. Allez, on va récupérer ça. C'est quoi ça? Attendez, je suis en train de remettre. C'est quoi que je dois faire moi? Ah oui, détruire. Je suis déjà venu ici. Ouh, ça a l'air d'être oui. Ça a l'air d'être oui. Je sais pas du tout. Je dois faire quoi, putain de merde? Ah oui, détruire des plantes. Ils sont où? Je devais détruire les plantes. Oh, une planète morte. Une planète morte. Mais il est con. Hein. Mais il est vrai. Merde, je tirais comme un con. Peut atterrir ou. Attends, je le sens pas. Je crois que je suis sur le caillou là. Quand je le dis, que chaque fois que j'arrive sur cette planète, sur n'importe quelle planète. Il y a une tempête. Là, je vous le montre A plus B que chaque fois, il y a une tempête. Je me bouffe toutes les planètes du jeu. C'est un... toutes les planètes, toutes les tempêtes du jeu. On va essayer de pas abîmer les affaires. Hop, voilà, ça sert à moi. Là, on scanne un peu ce que je vois. Ça fait des sous, ça fait.
Je le fais 200 000, plus de 200 000, ouais, même plus ça, vraiment. Je le fais au moins 500 000 chaque fois que j'arrive sur une planète. Minimum, je me dis. Et j'ai pas fini, hein. Ah oui, c'est vrai que je suis en tempête, hein. Je vais pas les attaquer, faut pas niquer ma mission. Je te scanne toi? Ouais. Après pour les débutants, hein, ne faites pas les conneries comme moi, hein, ne courez pas dans la nature avec une tempête comme ça. Hein. Moi je peux parce que je peux me le permettre. Parce que j'ai de quoi, voilà, j'ai ça. J'ai des protections de malade qui m'aident à tenir sur les tempêtes pour éviter de bugger dans son vaisseau parce que la tempête elle me fait chier pendant 2 heures quoi. Quoi déjà ça? Ah oui, c'est bon. Eh bah, go! C'est quoi ça? Go à la destruction des plantes? Merci la tempête d'être là pour moi. Ça m'aide beaucoup qu'il n'y en a plus. Parce que même si je résiste un peu, ça me fait un peu chier quand même. C'est surtout qu'on voit rien quoi. T'as 12 quand même, hein? Putain, j'en ai pas derrière. Non, j'ai fait la totalata. Ça doit respirer les trucs là. Quoi ça? Oh, bon. Le problème c'est qu'on voit rien, on sait pas si j'ai fini ou pas. Pourquoi je peux pas? Parce que c'est dans l'arbre. Je viens de comprendre. C'est comme ça un truc qu'on peut pas déboîter. Après, j'en ai pas plus besoin que ça, mais... Je trouve un peu con de mettre quelque chose qui est collé contre une ressource si on peut pas la prendre. Tant pis. M'en fous. Pourquoi tu veux que j'aille là-bas en comptant qu'il y en a partout là?
Attends, mais il n'y en avait pas là? Juste faire ça avant de tomber comme un con. J'ai vu aussi des fois des gens qui prend un truc comme ça et qui se barre. Faut attendre que le jeu, lui te sorte tout seul. Comme ça vous récupérez ce qu'il y a dedans sans y retourner. Sans y avoir oublié aussi. Parce que des fois il y en a des, ils prennent que la ressource qui est dessus, mais ils pensent pas prendre ce qu'il y a dedans. Et des fois c'est le dedans qui est plus important. Parce que c'est là qu'il y a des nanites, comme les caisses là. Hop. Là c'est lui qui me sort tout seul. C'est pas moi qui prend. Qui sort moi-même, autrement c'est-à-dire que je prends pas le truc qui est dedans. Il y en avait là par là, je comprends pas. Attends, je vais revenir là deux secondes. Je veux bien, il y a des endroits où il y en a aussi. 10. Allez. Voilà, fini. Normalement, je dois emmener ça quelque part. Non. Je vais attendre que je me donne ma réponse. Oh non, le Nexus. Je t'ai fait toi. On va quand même regarder. Comme ça, tant plus, ça me fait de la découverte. La galaxie découverte, surtout. Il est où le bordel avant que je m'en vais? J'ai eu peur, je peux trop le fumer, j'ai cru qu'il allait se le foutre dans la gueule le bordel. J'ai peut-être déjà vu ça. Déjà venu ici. J'avais un doute, mais mon doute a été assez de merde. Ou un petit roi. 2416. Et combien il est lui? Ah oh, mais il est équipé non? 3000. Ouais, il a des équipements. Je sais pas du tout sur le coup. Je... Non, on va pas s'emmerder, allez, vas-y. J'ai déjà un A. Attends, j'ai le bon là au moins. Pas du tout, je m'en doutais. J'en ai tellement que je fais même. Ah, si, c'est bon. On va aller là-bas. On va aller voir lui. Dynamite, on va aller loin avec ça, mais comme marchand, tiens, je suis en train de...
je les ai pas sur moi. Ben non, j'en ai plus sur moi. On ne dit jamais non à une belle petite ressource. Des bois, j'en ai plein. Putain, ça va être long à monter, lui. C'est con qu'on n'a pas un endroit pour me dire combien je suis. Comment je pourrais savoir combien je suis en... Putain, j'ai des choses à poser quand même. Oula, y'a du vaisseau là. Oula, y'a du vaisseau là. Oh, sympa. Sympa, mais ça pue. Effectivement. Regarder. Je sais plus ce qui manque. Pas comme ça. Je vais acheter lui. Oui, c'est un truc. Putain, il me fait chier lui. Il a pas donné son vaisseau de merde. Ah non, 13 millions le vaisseau, je suis de ta race. J'ai acheté 13 millions, je peux le revendre 9 millions. Super, ça donne envie. Hein. Voilà. Qu'il est moche celui-là. Vous avez vu comment on fait aussi qu'un vaisseau pour acheter et détruire. Je vous montrerai vite fait un petit peu pourquoi j'ai fait ça. Parce que si je veux un combattant S et un que j'ai envie, je peux m'amuser à acheter des bouts de vaisseau et à un moment ou autre choisir ce que je veux faire sur mon vaisseau. Parce que c'est ça qui est bien sur une construction de vaisseau, tu peux avoir un vaisseau vraiment particulier qui t'appartient qu'à toi. C'est ça qui est cool. Que d'acheter des vaisseaux, c'est super. C'est intéressant, ainsi de suite. Mais ça reste que le vaisseau, tu peux l'avoir partout pareil. Que là, je parle quand même de vaisseau particulier qui est qu'à moi. Donc s'amuser à acheter des vaisseaux quand tu as le budget, parce que c'est sûr que tu l'as pas, c'est un peu plus compliqué. Mais quand tu as le budget, tu peux te permettre d'acheter des vaisseaux, de les détruire, de les revendre et d'en faire un vraiment comme toi, tu as envie.
C'est-à-dire que je peux avoir un devant, un derrière, les ailes complètement comme moi j'ai envie, comme j'ai envie qu'il soit mon vaisseau. Et en plus, dans la sorte que je veux. Je veux l'avoir en S, en B, en A. Après, ça serait con d'avoir un vaisseau C, mais pour un débutant, ça peut être sympa. Mais après, le débutant d'acheter des vaisseaux à 4 millions, ou 5 millions, ou 6 millions, et s'amuser à les détruire pour faire un vaisseau, je pense qu'il a plus besoin vraiment d'un C, s'il fait ça. Parce que ça reste quand même un budget d'acheter un vaisseau, quoi. On a vu, hein, juste un petit vaisseau. Ah, c'est 13 millions. Après, t'en as des moins chers, t'en as des plus chers, t'en as. Ça, l'argent, c'est l'argent. Mais c'est pour dire. Un vaisseau, t'as pas en dessous de 4 millions, 5 millions. T'en verras jamais des vaisseaux à 300 000. Jamais. J'attendrai, je sais pas plus combien de temps. Ouais, on verra jamais des vaisseaux à 300 000. C'est impossible. C'est millions de minimum. Et c'est 4 millions minimum. Et je suis même pas sûr d'avoir vu déjà un vaisseau à 4 millions. C'est pour dire. Donc le C, pour moi, je trouve ça complètement con d'un mec qui dit bah tiens, je construis un vaisseau comme j'ai envie, vraiment comme je le veux, mais en C. Après, il peut se permettre. S'il a pas beaucoup d'argent, mais qu'il peut se le permettre, et derrière, il a énormément de nanites, il peut, parce qu'un vaisseau peut être gradé grâce aux nanites. Mes vaisseaux là, le B, je peux le passer en A pour 10 000 nanites. Après, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas du tout. Mais on peut le faire. Qu'est-ce que je fous dehors, moi? Alors, on va commencer à ranger un petit peu. Parce que c'est vrai que je commence à avoir pas mal de petites conneries. Voilà. Parce que là, j'avais le devant, les ailes, et il manquait le moteur. Bah, pas le moteur, mais on s'est compris. L'arrière du vaisseau. Eux, ils y appellent le moteur, je crois. Ah, pas le moteur, mais le propulseur, voilà, excusez-moi. Comme ça, j'ai tous les propulseurs. Alors, attends, on va faire un truc. Voilà. On va essayer de les mettre. Voilà. On va essayer de les mettre tous dans le même sens, c'est plutôt bien. Cockpit, cockpit, cockpit. Donc, comme ça, je peux faire même un combattant si je veux. Dans l'ordre que je veux, comme je le veux. Après, les ailes, pourquoi j'avais plus des ailes là, moi? Bonjour, tu vois. Là, je peux faire un arrière comme j'ai envie. Et là, bah, le vautour, je peux faire le vautour. Et là, il y a des moteurs. C'est pourquoi déjà ça? Ah, multi-outils. C'est vrai que je peux monter tous mes multi-outils, moi. Des conneries à vendre. Conneries à 61 000. Hein. Voilà. 1 milliard, 200 000, 24 millions, 265 millions, 312 millions. Un millions. Non mais t'imagines la thune que j'ai là? La thune stockée ici? C'est impressionnant. Ah, bah pile à 1 pour un paquet de tours.
tu voyais pas, je t'ai tué en fait. Quoi ça? Ça me sert à quoi ça? Je vais mettre dans le cargo comme ça. Parce que je suis pas sûr que ce soit un truc qui se donne aux gars. Je vais regarder après. Non mais je range des trucs des fois, c'est... Pourquoi je suis obligé de ranger ça, j'en sais rien. On le fait quand même quoi. T'es pas en train de faire des trucs ici? Si. Voilà. Oh bah ça marche. Hein. Oh attends, j'ai des gars qui sont rentrés de mission. J'oublie tout le temps que ça se met direct dans le cargo. Et ça j'adore, hein. Franchement j'adore. J'ai rien demandé ça, c'est royal ça. Gagner des choses comme ça c'est royal. Qu'est-ce que je peux améliorer mes vaisseaux d'un coup? Des trucs à vendre à 400 000, on va pas dire non plus hein. Oh bah c'est monté à 1 million. Je sais pas, mais je suis pas sûr que c'est un truc qui doit aller là. Je suis pas sûr, mais... On va aller voir ça après, attends. Est-ce que j'ai récupéré de ça? J'aurais dû faire un bouton, je peux tous les récupérer. Ouais, c'est pas trop bon. Ouais. Je crie pas famine, hein. C'est vraiment con qu'il n'y a pas un bouton qui fait tout prendre. Je l'ai fallu. Non, je l'ai pas fait du tout. Non, parce que je l'ai fait dans un poker ordre, dans un pot. Comme ça, je suis bien perdu.
100 000, 5 000. Après j'en ai en haut, j'ai pas envie d'y aller. Pas tout de suite. J'en ai encore monté, hein. J'en ai pas mis 3, hein. Sûr et certain. Ah, c'est ça, j'avais raison. Voilà. Je coupe 2 minutes et je vous prends juste après, ok? Je sauvegarde juste un coup. Il y a un truc vite fait à faire, j'ai mon linge à étendre tout, et pour éviter de vous mettre en pause pour rien, et d'affaire attendre pour rien, je vous laisse aller et je reviendrai après. Je vous dis merci à tous, à plus tard.